Une boule en 3D avec 6 cercles de papier. Je vais montrer une autre façon, plus simple, qui permet aussi en fait, de faire des pampilles de forme un peu plus complexe. Donc, je reprends ma feuille de papier et là, je vais la diviser en 6. Donc, je vais... en 3. Et en 2. Bon, je divise ma feuille en 6 rectangles à peu près de la même forme. J'en ai un qui est un peu plus petit, mais c'est pas grave. Approximatif. De toute façon, on va recopier le papier. Je vais plier chaque rectangle. Et le dernier. Maintenant, je vais coller les rectangles, enfin, les morceaux de papier 2 à 2. Je commence par les plus petits. Ce qu'il faut, c'est surtout aligner les bords pliés. Voilà. Et avant de coller la ficelle et de coller pour écarter les rectangles, je vais découper une jolie forme. Donc, je vais le faire, je vais vous montrer d'abord ce que là, on peut le faire à main levée. Donc je vais faire quelque chose comme ça, hop. Comme un barbe à papa. En suivant le trait. Je tiens un saut de fil pour pouvoir suspendre la décoration de Noël. Et je vais coller. Les deux dernières faces. Et voilà, j'obtiens une décoration en 3D, un peu plus complexe et presque plus facilement en fait que la méthode initiale. Donc, ça fait un peu une poire, j'aurais pu faire plusieurs volutes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de Cabane à idées. Je vous invite à vous abonner.